Exactement 16h34 minutes, nous avons avec nous en ligne Madame Sylvie Grenier. Elle est directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Bon après-midi, Madame Grenier. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Ça va bien, Madame Grenier? Ça va très bien, merci. Et vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Madame Grenier. Oui. La vie est toujours belle, Madame Grenier. Et Alors, oui. Madame Grenier, une nouvelle étude qui fait des prévisions vraiment pessimistes pour les années à venir. D'ici 2050, on voit la société, on voit une augmentation des troubles chez les personnes âgées, naturellement, neurocognitifs, qui pourraient aller jusqu'à 145% au Québec. Et au Canada, le reste du Canada, ça va encore plus loin, 187% ou 87% ou 187%, hein, dans le cas du reste du Canada. Alors, c'est très pessimiste. Ben, en fait, c'est un chiffre qui nous ne nous surprend pas. On l'attend depuis longtemps. On suit la courbe, mais ce que ça n'a pas d'étonnant, c'est que la maladie d'Alzheimer, la première instance, c'est le vieillissement. Donc, quand on regarde la courbe démographique, eh bien, le nombre suit aussi la courbe démographique. Ce que je trouve fort intéressant dans cette étude-là, celle qui sort aujourd'hui, c'est qu'elle nous donne aussi l'impact de la maladie dans les différentes communautés culturelles qui habitent le Québec, qui habitent le Canada, mais aussi que comme on est en mesure de voir venir, on fait face à ça maintenant, comment on travaille à faire en sorte qu'on fasse mentir les statistiques et puis qu'on n'atteigne pas Ah, ce bon, taux-là. vous me soulagez un peu, vous me voyez soulagé parce qu'on peut prévenir l'Alzheimer. En fait, on ne peut pas prévenir l'Alzheimer, Oh. mais on peut faire en sorte que si on travaille, si on prend soin de soi, il y a différents éléments qui font en sorte qu'on peut retarder l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et que même si on a, et que si dans le cas d'un diagnostic, quand il est fait précocement, et ça, c'est l'enjeu, aller chercher un diagnostic de façon précoce, eh bien, on peut aussi intervenir dans le parcours de la maladie pour ralentir son évolution. Donc maintenant, la science ne nous donne pas de pilule miracle, mais elle nous dit qu'on a quand même un pouvoir d'agir sur nous à travers de ça. Et ça permet de souffler un peu. Donc, c'est le fait de vivre vieux qui fait de nous une cible en attente de la maladie. Donc, est-ce qu'il faut arrêter de vivre? Il faut recommencer avec une espérance de vie moins longue Non, on doit en prendre conscience et chacun de nous, il y a personne qui, on ne sait pas d'avance si on est à moins d'aller passer certains tests, mais encore là, c'est jamais 100% vrai. Donc, on sait que si cette maladie-là nous fait peur, ben, comme pour bien d'autres maladies, il faut prendre soin de soi. Il faut s'assurer d'avoir une alimentation qui est saine, de faire de l'activité physique, de socialiser. C'est très important pour la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs, la socialisation. Donc, rester actif dans sa communauté et puis faire en sorte qu'on soit mieux, en fait, qu'on se garde en santé de la meilleure façon qui soit. Puis, dans le doute, si on commence à avoir des oublis, qu'on doute parce que l'oubli n'est pas nécessairement, ne veut pas nécessairement dire en vieillissant que c'est la maladie d'Alzheimer, il y a quand même des oublis qui sont normaux en vieillissant. Mais dans le cas où on doute, mais c'est d'aller chez un médecin, d'aller passer un test. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on a un diagnostic et que, bon, malheureusement, on nous dit qu'on a la maladie d'Alzheimer, ben, on peut intervenir dans le parcours, justement, en ayant un programme d'exercice, en ayant une façon de se garder actif toujours. Donc, ça fait en sorte que l'évolution de la maladie vient moins rapidement. Et puis, compte tenu de ce qu'on sait de la maladie, sans être spécialiste, nous, le commun des mortels, quand on regarde la fin d'une personne atteinte de cette maladie qui ne reconnaît plus personne, qui n'identifie aucun membre de la famille, etc.,
C'est tellement difficile à vivre qu'on commence à se demander est-ce que lorsqu'on est à risque d'avoir cette maladie-là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne des arrangements pour pouvoir mourir dans la dignité? Parce que littéralement, c'est de mourir dans l'indignité avec une maladie comme ça, non? Oui, mais au Québec, il y a un projet de loi pour vous parler de l'aide médicale à mourir. Le projet de loi a été adopté pour ce qui est des personnes qui sont en perte cognitive. La loi, les éléments qui vont venir, il y aura encore un an et demi, parce qu'au niveau plus juridique et tout ça, ils doivent s'assurer que tout sera fait dans les normes. Mais c'est probablement, on aura probablement accès à ça dans les années qui viennent. J'en suis pas certaine, je suis pas une politicienne, mais je sais qu'il y a des travaux qui sont pour ça. Mais vous savez, pour moi, ce qui est important, c'est oui qu'on puisse s'assurer de mourir dignement, mais en même temps, il faut faire en sorte que la personne qui est atteinte vive aussi bien. Il faut s'assurer qu'on supporte bien les personnes qui sont les proches aidants à travers de ça, mais qu'on l'accompagne elle aussi tout au long de son parcours avec la maladie. Donc, la personne atteinte, elle est importante aussi. Puis, vous savez, moi, je répète toujours que peut-être c'est vrai que cette maladie-là, elle est abominable par rapport à ce qu'elle fait chez les gens et chez les gens qui en sont atteints. Mais l'impact que ça a aussi chez ses proches, quand vous dites, ils se souviennent plus de nous, ils sont. Mais c'est vrai, ça se peut que ce soit vrai. Il y a des fois, il y a des moments aussi où ils nous reconnaissent. Mais il faut surtout pas nous oublier qui sont ces personnes-là. Madame Gonyé, je sais que vous n'êtes pas une politicienne, mais vous vivez, vous en connaissez des gens, n'est-ce pas? Vous êtes présidente de l'association des personnes, enfin de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Tout ce qui touche cette maladie, enfin les gens atteints de cette maladie-là, ça vous concerne. Il s'agirait pour demander le droit de mourir dans la dignité ou en tout cas faire à ce que la loi, faire en sorte que la loi soit appliquée à nous. Il faudrait éventuellement qu'on ait une espèce de testament pour léguer à notre la personne qui va s'occuper de nous le droit de prendre cette décision parce qu'au moment où il faudrait appliquer la décision, mais on n'aura plus la capacité de décider par nous-mêmes. Exactement. Et je vous dirais que je ne peux pas répondre de façon directe à votre question. C'est vraiment la loi qui va venir nous dire si dans le cas où c'est accepté, le processus à suivre. Certainement qu'il y aura probablement, je dis certainement, comme je vous dis, je connais pas le, il y aurait probablement un processus légal à faire, comme pour, par exemple, le mandat en cas d'inaptitude aussi qu'on peut avoir. Donc, il faudrait que la personne ait signifié, bien entendu, sa volonté. Et puis, mais moi, vous savez, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on s'occupe bien des personnes atteintes, de leur vivant surtout. Donc, à partir de là, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à faire pour leur donner la parole aussi et pour faire en sorte qu'on en prenne soin de façon adéquate et pour leur plus grand confort aussi. Et l'étude présente aussi des personnes venues d'ailleurs et des personnes d'origine africaine le nombre augmentera de manière astronomique. On dit ça devrait passer de 1460 à 11 490 depuis d'ici 2050. C'est un bond de 687%. C'est beaucoup, ça. Oui, c'est beaucoup, mais il faut dire que moi, dans mon, ce que j'ai dans mon, c'est plus 218% d'augmentation, mais c'est énorme. Effectivement, c'est plus que le double, donc c'est effarant. Mais c'est pour ça que je vous dis que maintenant qu'on sait qu'on fait face à ça, il faut faire en sorte parce qu'en 2050, on a du temps devant nous. Donc, comment on s'organise pour faire en sorte que les gens, justement, on puisse retarder minimalement l'apparition des symptômes? Parce que vous savez, quand on peut retarder l'apparition des symptômes, quand après un diagnostic, on peut travailler à faire en sorte de maintenir ses capacités
eh bien, on peut mourir de bien d'autres choses que de la maladie d'Alzheimer avant. Donc, mais c'est à nous à le prendre en charge, se donner des moyens aussi d'accompagner les gens, tant les personnes qui en sont atteintes que leurs proches. Et pour ça, ben nous, on veut s'y employer tous les jours. Est-ce que, parce que je n'ai pas vu ça enfin, le rapport qui est fait dans l'article en question, est-ce que cette maladie-là a un quelconque rapport avec le milieu dans lequel on évolue lorsqu'on prend les Canadiens d'origine immigrante et qu'on les analyse, enfin, on regarde, on fait une projection par rapport à l'avenir, comme quoi, moi, j'aurais tendance à croire que si ces gens-là vieillissaient dans leur pays, ils n'auraient pas été atteints d'Alzheimer. C'est en vivant ici au Québec, avec un environnement québécois-canadien, qu'ils seront atteints forcément. Non, là-dessus, il n'y a aucune donnée sur ça. C'est allé vraiment là, selon les statistiques qu'on a présentement dans une étude qui est bien sûr pan-canadienne et les origines en fait aussi de nos compatriotes à travers de ça. Mais la maladie d'Alzheimer n'épargne aucun continent. Donc présentement, tous les chercheurs de la planète, des centaines de chercheurs sur la planète travaillent sur cette maladie-là. Mais ce qu'on voit comme statistiques ici, on peut les rapporter dans les autres pays, les pays d'origine des gens. Ah, et ça n'a donc le milieu n'a aucun aucune ne fait aucune différence. Ce qu'on mange ne fait aucune différence. La façon de vivre ne fait aucune différence. Et pourtant, vous nous dites qu'il faut prendre soin de nous. Qu'il y a donc une façon de faire qui peut permettre de ralentir, qui peut permettre de repousser l'échéance à beaucoup plus tard. Mais ce que je veux dire par oui, on peut avoir une incidence sur le parcours de la maladie ou encore dans les facteurs de protection, ce sont les saines habitudes de vie et ça vaut pour tous les pays. Ce qui peut faire une différence, là où on est plus peut-être à risque, c'est dans les personnes qui sont les plus défavorisées. Mm-hmm. Et ça, peu importe la race, peu importe d'où on vient. Donc, quand on est sous-scolarisé, quand on vit dans la pauvreté, c'est un facteur de risque qui est important parce qu'on a moins les moyens, peut-être, de s'alimenter comme on le souhaiterait. On s'informe moins aussi. On va moins au-devant des solutions. J'ai pas d'explication pour vous dire qu'il soit très rationnel sur ça, mais les statistiques démontrent qu'il faut travailler justement à l'inclusion, mais aussi à faire en sorte de travailler sur la pauvreté et l'exclusion. Et maintenant, la fédération que vous dirigez, comment elle peut venir en aide à des gens justement qui sont atteints ou qui sont susceptibles d'être atteints de la maladie d'Alzheimer? Bien, d'abord, je vous remercie tantôt de l'invitation parce que pour moi, c'est vraiment important qu'on se parle. Les communautés, les différentes communautés ne viennent pas nécessairement vers les services des sociétés Alzheimer. Les sociétés Alzheimer, moi, je dirige la fédération, et les sociétés, elles sont 20 à travers tout le Québec. Mm-hmm. Elles répondent aux personnes atteintes et à leurs proches. Donc, on peut venir y chercher des renseignements. On peut venir chercher aussi des services, que ce soit des services de soutien et d'accompagnement tout au long de la maladie. Donc, et que ce soit pour le proche aidant ou la personne qui vit avec la maladie. Donc, c'est important de venir chercher du soutien. Mais ce que j'ai aussi envie de vous dire, j'ai envie de vous lancer une invitation. C'est certain que les communautés culturelles ont chacune, effectivement, leur culture. Elles travaillent avec leurs personnes âgées de façon différente selon les cultures. L'invitation que je vous fais, c'est de venir vers nous pour qu'on vous connaisse et qu'on voit comment on peut vous soutenir dans l'accompagnement de vos proches. Oui, donc c'est les communautés, pas les personnes déjà atteintes. Quand on est atteint, c'est déjà trop tard. Mais les communautés devraient faire cette démarche pour pouvoir aider les membres avec leurs connaissances particulières, aller chercher cette aide pour l'apporter à des personnes atteintes dans les communautés, c'est ça? Puis vous savez, vous avez dit qu'il est trop tard pour la personne atteinte. Selon le stade de la maladie,
Il y a toujours moyen de travailler à stimuler les gens pour les garder le plus longtemps possible aussi aptes à communiquer avec les gens ou encore savoir comment on les accompagne à travers de ça, selon chacun dans leur façon de vivre aussi. Madame Gonnier, donnez-moi un dernier petit mot à propos de la maladie, parce que j'en entends. On dit par exemple une personne qui est atteinte d'Alzheimer semble mettre un semble avoir un holà sur le vieillissement du corps. On voit la personne comme quoi n'est pas atteinte par les problème du milieu, n'est-ce pas, et reste toujours souriante dans certains cas. Je ne sais pas si c'est dans tous les cas. Et cette personne, comme quoi, c'est quelqu'un sur qui le temps n'a pas d'impact ou n'a plus d'impact. Mais probablement, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de ces personnes-là, mais ce que moi j'ai pu observer, parce que j'en ai fréquenté beaucoup, mais ils ne sont plus, selon le stade de maladie, bien sûr aussi, c'est qu'ils sont moins confrontés, c'est des choses qui, pour eux, ne leur appartiennent plus. Mais il faut aussi toujours, toujours faire attention. On a beaucoup de stigmas autour de la maladie d'Alzheimer. Ne jamais, jamais prendre pour acquis que la personne qui est atteinte et qui est près de vous et quand vous discutez, on entend souvent dire, mais vous savez, maintenant, il n'est plus là, mais c'est pas vrai. Les gens sont toujours là, ils reconnaissent notre voix, ils peuvent aussi très bien comprendre ce qu'on dit. Donc, oui, ça se peut qu'on dirait que le temps pour eux, que ce soit le jour, le mois de juillet, le mois de septembre, ça change rien pour eux, mais il faut quand même les accompagner et les considérer aussi à travers ça pour, dans les soins, ne serait-ce que dans les soins, dans l'accompagnement, dans leur qualité de vie. Donc, peut-être que c'est peut-être un des bons côtés de la maladie de voir qu'on voit moins le temps qui passe, mais le temps passe pour eux aussi. Et bien souvent, les gens meurent d'autres choses que de la maladie d'Alzheimer. Rares sont ceux qui se rendent au bout de la maladie. Ils vont mourir de d'autres maladies qu'ils ont ou encore de vieillesse, mais c'est assez rare qu'ils se rendent au bout de la maladie. Oui. Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer, je vous remercie, Madame Grenier, d'avoir pris du temps de nous parler en espérant que, oui, vous allez voir de plus en plus des membres des communautés culturelles venir vers vous chercher les ressources dont on a besoin, n'est-ce pas, pour aider de plus en plus des gens de notre communauté qui seront atteints. C'est un grand souhait pour moi de voir les gens des communautés venir vers nous pour que nous, on puisse vous accompagner et faire en sorte que les gens soient, qu'on forme les gens de vos communautés aussi à intervenir dans votre communauté. Je vous remercie, Madame Gonnier, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.